Shalom Bacha, j'espère que vous allez bien, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kenaratson. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une super histoire que j'ai écoutée cette semaine de Rav Pinhas Abitan, un ami de longue date, qu'il est d'origine des Saouira, le fils à Abitan. Et cette histoire que je raconte à la mémoire de son frère Rabbi David Abitan, alav shalom, qui est décédé la semaine dernière. Rabbi Pinhas me raconte qu'une fois sa mère, elle était en train de leur parler de Rabbi Haïm Pinto. Elle a connu Rabbi Haïm Pinto. Elle a bien connu. Elle raconte qu'une fois, Rabbi Haïm Pinto se trouvait au Melah. Et il voyait les gens qui passent. Et bien sûr, Rabbi Haïm Pinto, tout le monde passait, l'embrassait les mains, lui demandait des brachot. Et Rabbi Haïm Pinto, il ne demandait pas la tzedaka à tout le monde. C'est lui qui choisit à qui demander la tzedaka. Alav shalom. Et les gens, ils étaient heureux de lui donner parce qu'ils savaient que celui qui lui donne, il passe une bonne journée. La bracha de Rabbi Haïm Pinto jamais est retournée. Toujours été acceptée chez HaKadosh Baruch Hu. Alors il y a un juif qui passe et Rabbi Haïm Pinto l'appelle. Il lui dit, tu as fait ta prière? Il lui a dit, non, j'ai pas fait la prière, je me suis levé un peu en retard et j'ai pas le temps. Et je dois vraiment, j'ai un rendez-vous important et je ne peux pas rater ce rendez-vous. Rabbi Haïm Pinto lui dit, avec Hachem, on ne perd pas le temps. Va mon fils, rentre chez toi, mets tes tefilines, fais ta prière et après, tu vas à ton rendez-vous. N'aie pas peur. Il lui demande, quelle heure il est? Il met ses mains dans sa poche, il cherche la montre. Il lui dit, il est 8h30. Il a dit, alors va mon fils, va faire ta prière. Il est parti ce monsieur. Rabbi Haïm Pinto est resté toujours à la même place. Quelque temps plus tard, le monsieur, il sort chez lui. Il y a toujours Rabbi Haïm Pinto debout. Il lui dit, alors tu as fait ta prière? Il dit, oui Rabbi Haïm Pinto, j'ai fait ma prière. Il dit, malheureusement, c'est 100% que j'ai raté le rendez-vous. Et pour faire plaisir à Hachem, et pour te faire plaisir, j'ai fait ma prière. Voilà, maintenant je vais aller au rendez-vous et Dieu est grand. Et Rabbi Haïm Pinto lui a dit, à quelle heure? Lorsque tu as commencé ta prière, quelle heure c'était? Il dit, 8h30. Il dit, regarde ta montre. Il met ses mains dans sa poche, il prend la montre. Il était 8h30. Il dit, tu as vu? Je t'ai vu à 8h30, il est 8h30. Le monsieur est resté bouche bée. Il me dit, comment j'ai pu faire? La prière, j'ai même pris mon petit déjeuner. Comment? Il dit, mon fils ne pose pas de questions. Maintenant, va à ton rendez-vous. Avec Hachem, on ne perd pas le temps. Comment vous comprenez cette histoire? Ça veut dire que Rabbi Haïm Pinto, il a arrêté le temps. Ça veut dire, il a arrêté le temps. On a vu ça chez un grand tzaddik qui est enterré à Akka, au Maroc, qui s'appelle Rabbi Sakhar Ba'ala Ma'yan. Lui aussi, il est mort un vendredi. Et le temps qu'ils vont l'enterrer, Shabbat, il va rentrer. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, le soleil ne va pas bouger de sa place. Rien que vous pouvez m'enterrer, prenez votre temps et après rentrez chez vous. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, la nuit est venue. Comment? On ne comprend pas. On a vu ça aussi avec Nakhdimon Ben Gurion, quelqu'un qui avait besoin de l'eau pour les pèlerins qui venaient à Yerushalayim au Beit HaMikdash. Et il a prié pour que
Akadosh Baruch Hu, il apporte l'eau. Parce qu'il devait payer de l'argent à un Romain. Ce Romain-là lui a prêté beaucoup de puits d'eau. Et Nakdimon Ben Gurion lui a dit, tel et tel jour, je te rends ton eau. Ou je te paye de l'argent. Et tel et tel jour, il n'y avait pas d'eau. Et le Romain demande, réclame son argent. Il dit, ben, aujourd'hui, je dois te payer. Mais j'ai encore la journée. Et jusqu'au soir, il n'y avait pas de pluie. Et il commençait déjà à faire nuit. Le Romain, il dit à Nakdimon Ben Gurion, je veux mon argent. Nakdimon Ben Gurion, il a levé les mains vers Hachem, Hachem. Tu peux m'aider, j'ai pas d'argent. Et l'eau que j'ai achetée de chez ce Romain, c'est pour donner à boire aux gens. Et la pluie a commencé à tomber. Mais entre-temps, il a commencé à faire nuit. Et le Romain, il dit, un Nakdimon, mais il fait nuit. Il faut que tu me payes. On s'est arrangé que tu me payes tel et tel jour. Et là, c'est la nuit. Et Nakdimon, Ben Gurion, il a prié Hachem. Et Hachem, il a fait que le soleil, il a réapparu. Et Nakdimon, il dit au Romain, on est toujours dans la journée. Mes amis, c'est ça le Kouat Tzadikim. Que les héros de Tzadikim soient avec vous. Amen.